Thank you.
Encore toi. N'interfère pas avec mon travail. Ah, je sais même pas avec quel travail j'interfère. Bon, prends une seconde pour me dire qui tu es, ce qui se passe et pourquoi tu as l'air de vouloir m'anéantir. Absolument insignifiant. Que tu saches ou non, ne changera rien. Tu ne peux rien y faire.
T'es déjà venu ici? Tu voyages sur l'île comme si tu la connaissais. Oh non! En fait, quand j'interagis avec ces symboles, ça m'informe automatiquement sur le terrain qui m'entoure. Comme si l'île m'envoyait un signal GPS directement dans le cerveau. Cool, non? Ça vient sûrement des ancêtres. Je me demande ce que ce symbole signifie dans leur langue. C'est vrai qu'il n'apparaît pas dans les villages maintenant que j'y pense. Sa véritable signification doit être perdue dans le temps.
Thank you.
important, est-ce que c'était une bonne idée de vider l'oasis? Bah, tout ce qui compte, c'est d'avoir découvert la voie à suivre. Ouais, enfin, tu sens pas la chaleur? Bref, la course jusqu'à la prochaine émeraude. D'accord. Ton cauchemar volant est très mobile. C'est mieux que le géant. Mais ça va finir pareil. Comment es-tu capable d'utiliser les Chaos Emeralds? Je dois encore analyser les paramètres de combat. Je ne peux pas te laisser gagner. Tu sais, tu pourrais tout annuler et me laisser sauver mes amis en paix, non? Très bien. On fait ça à ta façon.
Qu'est-ce qui se passe? Ces cocos sont censés être reliés à une autre unité, mais un ennemi les a immobilisés ici. T'étais pas censé aider à trouver les émeraudes? L'un n'empêche pas l'autre. Dépêche-toi si tu veux te battre aussi. Soldats, maintenant liez-vous à la force principale. Pour donner des ordres, tu gères, Nux. Essaie de te battre la prochaine fois, ok? Il sait ce que sont les cocos. Pourquoi essaie-t-il autant de les aider en sachant que leur sort est déjà scellé? Thank you.
carré.